Bonjour, mon nom est Éric Maheu. Je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. Je suis auteur, compositeur, interprète et bassiste professionnel. Quand mon frère jouait de la bass, ça a été ma première influence. Je le voyais partir en tournée avec sa bass, puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais kid, j'entendais pratiquer des chansons dans la cave, à la bass et tout ça. Et c'est le son dans la musique que j'ai retenu. C'était tout ce qui était dans ces fréquences-là. Ça me faisait vibrer. J'ouvrais le case, je voyais ce bass-là. Je taponnais là-dessus, je commençais à taponner. J'ai tout de suite pogné la piqûre pour continuer à jouer de la basse. Et puis cette bass-là, il y a un historique. Mon frère, dans le temps, avait vendu cette bass-là et j'ai retrouvé dernièrement le gars qui avait acheté la bass à mon frère et je lui ai racheté. Par nostalgie et par vu le décès de mon frère, je me suis dit je vais garder une petite partie de lui avec moi. Puis la Rickenbacker est revenue dans son bercail. On a fait une petite tournée de Caen, une tournée des cinéparks, et c'est cette bass-là, en l'honneur de mon frère qui est décédé, que j'ai pris tout le long de la tournée. Donc, toutes les histoires sont souvent reliées à des bass, des guitares, des histoires, des chansons. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis auteur-compositeur, parce que c'est une manière de conter des histoires, c'est d'en faire des chansons pour moi. Alors, ici, j'ai ma première guitare. C'est celle qui a fait catapulter le reste. En fait, je voulais une batterie quand j'étais kid, puis ils m'ont donné une guitare. Toute la famille s'est cotisée pour une guitare, et je l'ai encore depuis 1979. 40 ans. 40 ans, la guitare. Puis, elle marche encore. Et je fais encore les trois mêmes accords dessus. Puis, je fais ma carrière avec ça. Puis après ça est né plein de bonheur à partir de ce temps-là. Puis voilà, j'en suis très reconnaissant. Je vais la garder toute ma vie. L'histoire de Éric Maheu, bassiste, a commencé au séminaire Saint-Georges. Dans le temps, c'était une école, maintenant c'est un cégep, c'était une école secondaire où les mercredis, il y avait des spectacles, les mercredis étudiants qui appelaient. Et je m'étais inscrit pour aller accompagner avec un de mes amis qui s'appelle Stéphane Rancourt, qui est revenu souvent dans mon histoire par après, un autre beauceron d'origine. Et on avait fait une chanson qui s'appelait « Don't You » de Simple Minds. Et quand j'ai fait cette chanson-là, j'ai dit « C'est officiellement ce que je vais faire dans la vie ». Et là, je me suis mis à triper sur des bassistes. Bizarrement, le groupe Kiss, Gene Simmons, Rush, le trio canadien de Toronto, qui m'a fait complètement allumer sur la base. J'aimais bien voir Geddy Lee sur sa base en même temps de jouer du piano. Le concept du power trio, des trois gars qui font de la musique comme s'ils étaient 12. Et j'ai continué à ce concept-là d'apprendre d'autres instruments au travers, pas juste la base. Puis en même temps, bien, ça te donne un peu plus de vocabulaire quand tu connais un autre instrument comme le piano, la guitare, quand tu joues de la base. Et toutes ces influences-là. Et bien sûr, un jour, quand tu vois les Beatles et tu vois des documentaires sur les Beatles, puis la vie des Beatles et tout ce qu'il y avait autour, la création, l'histoire autour de tout ça, la majeure partie des musiciens sont partis avec les Beatles, je pense, comme influence. Moi inclus. Je suis parti passer mon audition au Cégep Sainte-Foy ainsi qu'au Cégep de Drummondville. Juste le fait d'avoir montré que je pratiquais jour et nuit. Et j'ai été accepté aux deux places, au Cégep Sainte-Foy et au Cégep de Drummondville. J'ai décidé d'aller au Cégep Sainte-Foy et la concentration était un peu contrebasse classique. Tandis que j'aurais pu aller faire du pop à Drummond, j'ai décidé d'aller en classique à Sainte-Foy. Les cours se donnaient au CASO, à l'Université Laval. Et j'ai fait une session, sans rien enlever à tout ça, c'était pas ma tasse de thé. Disons que j'étais plus un gars de terrain. Puis j'ai décidé d'aller à l'école de la vie et l'école du rock de la vie. Je suis retourné au Cégep à Saint-Georges et j'ai commencé à faire des bands. Et c'est là qu'un jour, j'ai déménagé à Hartford, travailler à Hartford, Connecticut.
Et ben voilà qu'Yvon Poulin m'appelle pour que je parte en tournée. Et là, on jouait à East Broughton et partout dans Beauce. Et moi, mon rêve était maintenant achevé. Je m'en allais en tournée. Je me rappelle, j'avais rempli la maison au complet d'un ventilateur, une TV noir et blanc. Je partais en tournée, tu comprends-tu? J'avais une tournée mondiale devant moi qui se tenait à East Broughton, à Thetford, à Saint-Ephrem-de-Beauce. Mais écoute, depuis ce moment-là où est-ce que je suis parti jouer de la bass dans un bar, je suis jamais revenu chez nous. Là. Puis j'ai jamais craché sur rien tant et aussi longtemps que j'avais du fun à faire ce que je fais. Tu sais. Puis c'est ma passion. Puis je me vois pas faire rien d'autre. Dans les bass les plus précieuses que j'ai, c'est sûr que celle-là semble maganée, mais c'est la bass, c'est une 1963. C'est une bass que un homme a mis à vendre de Sherbrooke. Et paraît tout. Plus c'est vieux, plus ça vaut quelque chose. C'est contrairement à nous les hommes, ben, les basses, plus c'est vieux, plus ça vaut quelque chose. Celle-là, 1963. Juste à côté, j'ai une bass, une jazz bass qui est 1969. L'année où je suis né, une 1973. Plus les basses sont vieilles, plus ils ont du vécu. Plus sont durs à trouver et plus se vendent cher. Et fait qu'ici, je contrôle la température avec un humidificateur pour que tous les bases restent intacts le plus possible. Une des bases les plus précieuses que j'ai, et on l'a entendu dans l'histoire, c'est celle que j'ai ramenée, que mon frère a passé sa vie de bassiste, qui est décédé l'année dernière. Il a passé sa vie de bassiste avec cette base-là. Et quand j'ouvrais le case, c'était le Saint Graal qu'il y avait dedans, Rickenbacker 4001, comme les Paul McCartney, les Geddy Lee de Rush. Donc, cette base-là, on la tient serrée du bas, comme on dit en Beauce. Fait qu'un jour, il fallait, veux, veux pas, que je vive de ça et que je continue à en vivre, peu importe le prix. Disons que j'ai mangé du Kraft Dinner et des sandwichs de beurre de peanuts souvent. Et là, je décide un jour, en 95, je décide que je vais faire mon album. Mon premier album sort, ma Marilyn sort. Et là, je pense que je suis arrivé à mes fins et que je vais devenir riche, que je vais vivre dans un château et que je vais m'amener la vie d'un gars de Los Angeles. Eh non, c'est pas ça qui est arrivé, c'est plutôt, écoute, c'est à partir de là que je me suis dit, si on veut vivre de notre musique originale, il faut travailler plus fort encore, et c'est ce que j'ai fait. Ma Marilyn t'a fouillé dans mes tiroirs, ma Marilyn t'a trouvé plein de choses bizarres, ma Marilyn, des idées noires, plein de vieilles histoires, ma Marilyn. Un jour, je suis dans un bar à Laval et je suis rendu chansonnier. J'ai passé de band de bar à chansonnier de bar. Je jouais tout seul, puis tout ça. Je venais d'avoir un enfant, puis là, je voulais une sécurité, puis tout ça. Et Jean-François Bernatchez, qui est guitariste de Noir Silence, est arrivé dans ce bar-là, m'a vu comme chansonnier, m'a dit « Écoute, Noir Silence, ça commence à lever, puis j'aimerais ça que tu viennes en tournée avec nous autres. » Puis au début, en fait, je roulais des fils, j'étais technicien avec eux, puis tout ça. Et de fil en aiguille, à un moment donné, il y a eu du changement dans le band. Jean-François Dubé, le bassiste, est parti. Je suis entré dans Noir Silence, à grosse course et tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé mon confort que d'être dans ma bulle, dans mon office, à jouer de la bass, plus que d'être un lead vocal. Je me sentais mieux d'être one of the boys que la vedette principale. Et depuis ce confort-là que les boys de Noir Silence m'ont donné, ben, de fil en aiguille est venue la chicane. La chicane, comment c'est arrivé? J'avais un deuxième album qui est sorti et en même temps, on était la même compagnie de disques. Et le guitariste de la chicane, avec qui on chumait dans ce temps-là, prenait une petite bière ou deux ou trois, est arrivé et m'a dit, écoute, on s'en va en Australie. On s'en va aux Olympiques. On s'en va jouer aux Olympiques. J'ai dit, je le sais, maudite gang de chanceux. Et en même temps, tu sais, c'est souvent dans l'industrie ou dans la musique, c'est une question de timing. En même temps, Danny Bédard s'en allait de la chicane. Alors,
dans cette petite craque-là, je suis arrivé. Je suis parti en Australie, premier show. On a fait un petit show à Sherbrooke pour se roder. On est parti en Australie aux Olympiques. C'était mon premier spectacle avec la chicane. Et on a eu du fun, mais pas à peu près. Ça aurait pu être un désastre total. On aurait pu profiter ensemble musicalement, comme être humain. Ça a super bien fité. Je vais m'agréer avec eux autres. Et à un moment donné, comme tout bon band, la chicane poigne dans la chicane. Et ben, on décide de se séparer. Moi, je prends mon bar, je m'en vais avec Boom. On y fait un album solo. L'auteur-compositeur prenait plus de place que le Bassman pour un petit bout. On a été faire les premiers albums de Boom Desjardins. Et pendant ce temps-là, le dernier spectacle de la chicane en festival a eu lieu ici à Drummondville, puisqu'on est ici présentement, a eu lieu ici dans un festival mondial des cultures, je crois. Et la première partie de la chicane est un nouveau band de Drummondville qui s'appelait Caïn. Et voilà que j'arrive sur les planches avec la chicane. Les gars de Caïn sont à côté. On nous regarde aller, puis tout ça. Puis après le spectacle, le concept, on prend une bière, deux bières, trois bières, et on jase ensemble, et le déclic se fait tout de suite avec les boys de Caïn, sans que j'ai à jouer une note. Alors, t'sais, j'ai vu qu'il y avait une vibe, les gars voulaient. Il y avait une belle approche de la musique. C'était des gars intègres, ça l'est toujours. Et ben voilà que ça fit. Un coup de foudre mutuel de boys. Et la chicane, moi, je pouvais pas dire dans ce temps-là que c'était... On s'en allait vers un autre avenue, c'est-à-dire un album solo pour Boom. Et j'étais allé au lancement du premier album de Caïn. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « OK, je vais aller me parker là ». Et en même temps, c'était du 109. C'était quatre gars qui avaient cette énergie-là du début, cette innocence-là, puis ce thrill d'aller jouer que j'avais justement quand je partais avec mon ventilateur et mes affaires, puis j'allais jouer à 10 minutes de chez nous. Bien, lui, eux autres l'avaient. Je voulais me ressourcer avec ça, retrouver l'énergie que j'avais autrefois, puis m'embarquer dans un projet qui m'allumait. On est parti en tournée et je me suis jamais amusé de même en tournée. Qu'on s'en aille à 10 minutes ou à 16 heures de chez nous, c'était la même chose. On allait jouer de la musique avec du fun. Et c'est pour ça que 20 ans après, l'âge de mon fils, eh bien, encore Caïn aujourd'hui, on tourne encore et on a autant de fun. T'sais. Mon fils travaille avec moi sur mes tournées de Caïn et de la chicane. Et j'espère qu'il va se rappeler d'avoir vu son père comme un ticu de son âge, qui n'a jamais vieilli, qui est encore en train de jouer dans un carré de sable avec ses bonhommes quand il joue de la musique. La première chose qui m'a appris, au-delà d'apprendre à jouer de la bass, ça a été de respecter les gens avec qui tu travailles, d'aimer ton métier, puis d'aimer tout ce qui l'entoure. Puis évidemment, ça fait de moi quelqu'un de meilleur pour ça, puis c'est pas mal 100% grâce à lui, finalement, là. Si tu y crois vraiment et que t'as une tête de cochon et que t'as une passion de faire ce que tu fais et tu le fais pour les vraies raisons, si tu vibres par en dedans, c'est sûr que le monde en avant va vibrer et va embarquer dans tes affaires. Ça, je te le garantis. Je souhaite que mes enfants puissent vivre de leur art, peu importe que ce soit la médecine, la musique, mais qu'ils vivent de la même manière que je l'ai vécu, c'est-à-dire comme un ticu tout le long de ma vie.